Les trois dernières travées de l'église sont d'un intérêt particulier parce qu'elles occupent l'espace de Châteaufort, celui qui a été détruit en 1221 par les pierrières du comte de Toulouse. On remarquera d'abord que leurs voûtes sont plus basses que celles du reste de l'édifice, d'environ 1 mètre, mais qu'un habile maquillage l'a dissimulé. Pourtant, en y regardant bien, on s'aperçoit qu'il existe deux étages de naissance de gerbes. Les naissances de gerbes sont des bouquets de sculptures ou de décors d'où naissent les arcs. La première naissance se trouve environ à un demi-mètre au-dessus de la balustrade du balcon de l'orgue, et c'est à partir de là que l'arc doubleau commence à cintrer. L'arc doubleau, c'est le grand arc qui traverse la nef perpendiculairement à l'axe de celle-ci. C'est là aussi que le formeré prend naissance. Le formeré, c'est l'arc qui est parallèle à l'axe de la nef et délimite la chapelle entre les contreforts. 2 mètres plus haut, une deuxième naissance de gerbe, celle des arcs arretiers, ceux qui forment un grand X au-dessus de la nef. Cette croisée d'ogives, appelée autrement bonnet, intercepte le mur en formant une croisée d'arc au-dessus du formeré. Entre les deux se trouve le tympan, ou paroi verticale. Et c'est précisément en examinant les motifs décoratifs de ce tympan qu'on peut dire que ces tympans n'ont pas la même hauteur. L'observation des naissances des autres doubleaux montre bien qu'ils commencent à cintrer plus haut que les trois premiers. Il cintre à partir d'un faux pilier d'environ 2 mètres posé sur la naissance de gerbe, une petite colonne à facettes. C'est un excellent maquillage. L'observation du pilier et de l'arc situé à gauche de la chapelle Saint-Roch indique que les constructeurs ont rencontré de grandes difficultés. On peut imaginer qu'il y avait une tour à cet endroit et qu'ils ont choisi d'en conserver un mur pour appuyer l'arc doubleau. En construisant ces bonnets, on n'a pas fait attention à un détail important. Quand on a construit cette série de voûtes dans l'axe de la nef, il en a résulté une poussée longitudinale qui a eu pour effet de faire s'effondrer le dernier bonnet sur l'orgue au XIXe siècle en repoussant le mur pignon de l'église à l'ouest. Si on se trouve assez loin de l'église, au nord ou au sud, et qu'on examine le faîte de son toit, on constatera une légère bosse ou une légère variation dans sa pente qui correspond précisément à cette différence de hauteur. En ce temps-là, vers la fin du XIIIe siècle, les finances publiques n'existaient pas. Les travaux se faisaient par tranches, selon les sommes disponibles, d'où parfois cette impression de bricolage. Aujourd'hui, les travaux sont généralement complètement budgétisés avant d'être commencés. Ainsi que je l'ai déjà expliqué par ailleurs, la collégiale de Montréal est un édifice composite. Entendez par là qu'il est construit à partir d'édifices préexistants. Ce n'est qu'après le siège de 1221, quand tout avait été ruiné par les pierrières du comte de Toulouse, qu'on a envisagé de rebâtir un ensemble constitué du château, du donjon et de l'église castrale qu'on venait de démolir. La chapelle castrale était située derrière le maître-autel. Son étendue était à peu près celle délimitée par les stalles aujourd'hui. Elle n'était pas si haute que la voûte actuelle. Il est permis de penser qu'elle était même assez basse et qu'elle n'excédait guère le bas des vitraux du chœur. Pour ce qui concerne le donjon auquel elle était adossée et avec lequel sans doute elle communiquait, on a une idée des dimensions et de l'emplacement des murs de ce donjon par la fente qui est visible dans le chœur à la main droite de Saint-Marc. Saint-Marc, c'est l'évangéliste en bleu avec le lion derrière lui.
On remarque une fente à sa main droite qui court verticalement. Et cette fente, en fait, indique l'épaisseur du mur du rempart avant qu'il soit démoli pour libérer la nef. L'actuel maître-autel est situé sous cet arc triomphal. Donc on peut dire que le mur est de ce donjon, qui était vraisemblablement carré, passait derrière le maître-autel et son épaisseur devait avoisiner les 5 ou 6 pieds. Par l'intérieur du clocher, on peut voir une porte aujourd'hui murée qui est à peu près à hauteur de la banderole de Saint-Marc, mais située de l'autre côté d'ailleurs, côté clocher. Cette porte permettait justement de se promener sur ce rempart. C'est à bon escient évidemment qu'on l'a fermée parce que personne n'a envie de se jeter dans le vide. Le mur ouest de ce clocher, ou du moins ce qu'il en reste, ce qui est l'indication de son emplacement et de son épaisseur, se trouve dans la nef. C'est le pilier situé à droite de la chapelle Saint-Roch, face à l'entrée principale un peu à droite, avec le fond rouge au motif doré, avec un harmonium. On remarque que le pilier de droite est beaucoup plus épais que le pilier de gauche, pour la bonne raison que c'était le mur du donjon. Alors pour le mesurer, pas besoin de mètre, il suffit de s'en tenir à l'épaisseur des motifs peints. Ils ont été peints au pochoir, donc c'est très facile de voir qu'il est beaucoup plus épais. Cette épaisseur d'ailleurs correspond à celle dont nous venons de parler, à droite de Saint-Marc.